savais que c'était un gros centre de formation. Parce que l'idée révélée, Bauchi n'est pas le big boss, le roi de la forêt. La voix que j'ai aujourd'hui, j'avais pas la même voix avant. Ah ouais. Tu sais ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc moi, chaque jour, par rapport aux autres chanteurs qui sont déjà depuis des années là-bas, moi, chaque jour, en fait, je découvre des nouvelles gammes, des nouvelles voix que ça sort d'ici avec le travail. Ah ouais. Donc c'est ça, je suis en pleine progression. J'étais venu dans la formation, c'était plus pour la Kolisa Rumba. Il faut interpréter. Tu interprètes beaucoup plus quelle voix? La deuxième? Moi, c'est plus deuxième voix. Ouais. Plus deuxième voix. Interprétation. On peut dire qui? Il y a la répétition, tout ça. Même il y a Serge. Hein. Serge Mabiala. Claude Ukunayo, Patrick Wekule. Tu as intégré Wenge Musique à Maisonneur et tes collègues t'ont réussi comment? Eh, amour, papa, mon copain. La banane. Pas collègue, hein, ouais. Eh, il est aussi un peu de temps, quoi. T'es un baby qui est là. Pourquoi tu as dit papa, non? Non, rien. Même pas. Quel est ton meilleur ami? Parce que tu as déjà des ans dans le groupe. Chief Papi Kagol. Je savais. Voilà, il qui fait la raille. Ouais. On peut dire, lui, c'est l'encadré, là. Ouais. Lui, vraiment, vieux la vampire. Mais merci. Aujourd'hui, quand même, Gando, parlons un peu de cette histoire de 12. Ouais. C'est comme la petite chose à 12, là, Wenge. Oui, Baba, vous le micro, moi, ça va bien. Merci, bonjour, bonjour, Kara. La musique, c'est pas facile, quoi. Ah oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Là où on vient, on a déjà l'esprit compétition. Donc ça, c'est pas que c'est petit, mais tout est déjà esprit au quotidien, mon amour. Si il y a un concert, et là, moi, il nous paye. Des fois, quand tu veux. Non, t'es. Moi, quitte, Simba. Oui, mais Simba. T'es là, bien, t'es. Bon, quitte. Ah, oui, nous sommes invités, bon, c'est ça. T'es dans un groupe, moi, bateau, oui. Ah, groupe fanatique quoi. Fanatique, nous sommes à rappeler dans le cadre. À quand même. On est force. T'es au cocatin. Bon, ils ont chance là-bas. Je leur souhaite bonne chance. Tu es bien. Ouais, bonne chance. Faut pas vraiment ébélé. Wenge. Wenge, on est révélé. On attend le 17 septembre 2021. Tous nous serons aux Zénith de Paris. C'est ça. Quand nous sera là. En tout cas, on espère. Hein. Un grand show. De belles prestations, hein, que ce soit sur les chants, sur la danse. Et puis voilà, on sera bien réveillés, on va faire la fête aussi. Hein. Fondation Yassine Bilele. Hey. Fondation Yassine Bilele. Yassine Bilele, maman Mouté, maman Lamou. Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosuma. Suma Babo Fele Babo la Bama Maba Veve. Oh Bilele. Zosuma. Yassine Bilele. Mama Mouté Mama Lamou. Fondation Yassine Bilele. Zosuma. Yal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 
esika ya bino moko ezali te boyeba ke Jong azuli bino solution azu esika ya ye moko ya kofandisa idéologie esika oyo ba kongole tu bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate che Jong de che Jong de awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe lengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poisson ya kotumba esengeli koyeba ke che Jong de bafongola ka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse ezaka kase moko che Jong de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate chaque vendredi bobanda kozwa suzuki luzub 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde cnn alligator na ba artiste mosusu bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs emele alias de mingongo yende muta kozwa kopalola awa boko sentir betwe bao difference yena Tele, mone, namira, yanani. Che Jong de. Malolo. Oui, frère. Babi Jong la. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîte. Le tatakin, Che Jong Masker. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko Che Jong de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit bonjour excellent fidèle internaute bon début de semaine à chacun et à tous et merci pour la confiance qui nous accordait donc à notre modeste personne. Grand merci également à tous les amis de Franck Stémaï, éparpillés à travers le monde. Le plaisir pour nous de vous savoir nombreux. Bon, chez ces instants, on va parler du groupe Ongé Musique à Maison Mère, le groupe Cher Angé à Makanda Leranson, le roi de la forêt, bien sûr, qui devait d'ailleurs se produire ce 12 juin. Malheureusement, le concert est reporté pour le 17 septembre de cette année toujours. Alors, vous qui avez déjà acheté vos billets, n'ayez pas peur parce que vos billets seront toujours valides jusqu'au 17 septembre de cette même année. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas recevoir le roi de la forêt, mais c'est plutôt l'un de ses soldats, l'un de ses artistes et musiciens, quelqu'un qui a captivé l'esprit de plusieurs personnes, et parce que c'est un Français, c'est un jeune Français qui évolue bien sûr, qui a évolué dans les sports. Il a fait l'art martiaux, mais aujourd'hui, il a préféré continuer à faire sa deuxième carrière de la vie ou son deuxième métier qui est donc la musique et basculer dans Ongé Musique à Maison Mère, c'était aussi quelque chose qui a tiqué beaucoup de personnes et surtout venir vivre à Kinshasa, laisser la France, c'est compliqué. Il s'appelle Ngando Batomena, il est sur ce plateau d'Inafrika Info. Ngando, bonjour et bienvenue. Bonjour, grand journaliste. Franck. Ça va? Ça va, merci et toi? Ça marche? Très bien. T'es kinois ou toujours français? Les deux. Les deux. Plus français. Plus français. Ouais, plus français. Et comment t'as trouvé Kinshasa, ça va? Très bien. En tout cas, très bien. Actuellement, tu résides en Kinshasa? C'est ça, ouais. À Kitambo. À Kitambo? Ouais, ouais. Sur quelle avenue? Sur l'avenue Kwamut. Oh, ça va alors? Ouais, ouais. Alors, les gens te suivent à travers le monde, déjà avant de commencer, un mot à leur dire. Les en tout cas, tous les fanatiques, je vous salue tous. Mm-hmm. C'est dire que votre artiste, il est revenu ici, au Congo, pour continuer la promotion de votre chanson Couleur Batomene, mmh. et préparatif aussi pour les Zénith, hein, mmh. avec bien sûr Big Boss, le roi de la forêt. Un grand salut à grand manager Lia Fabrice Kindombe, mmh. Papa Né Benjamin Kindombe. Donc voilà. Très bien. Alors, ce qui m'a étiqueté en tant que journaliste, c'est de ce que tu faisais avant, comme les sports, basculer dans la musique, mais faire toute une carrière dans la musique typique, c'est pas facile pour un jeune comme toi. Comment ça s'est produit? Comment ça s'est passé alors pour intégrer Ongé Musique à Maison Mère? Commençons par là. Bon, au début, c'était pas facile, dans le sens où tu vois, quand tu viens du monde du sport, pas tout arrêter parce que moi j'ai juste mis une pause. Hein. Okay. C'est-à-dire que moi, ma carrière de sportif, il faut savoir à tous les fanatiques que ça continue. D'ailleurs, j'ai un combat qui est au mois de septembre aussi. Ok, donc tu continues bien sûr. Combat en septembre, juste un peu avant Zénith. Okay. Et le 17 septembre, c'est Zénith, il me semble, c'est ça. Donc, toujours en France, hein? Ouais, ça sera à Paris. Donc ça veut dire que votre artiste il est toujours aussi dans les arts martiaux, ouais, parce que ça c'est Tobo Tamina. Donc Tamina Mosali musique, mais ils appellent la maquilla. La maquilla, ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a ça déjà, il faut savoir. Mais moi je voulais faire une pause pour découvrir la musique.
tu vois, okay. Découvrir la musique. Donc dès l'enfance, tu veux dire la musique. C'est ça. Tu faisais dire la musique. Pas faire la musique, mais écouter la musique, tu vois, parce que mon père aussi, grand maître Isaïe Mwendo Batomene, qui est dans les arts martiaux, qui m'a mis dans les arts martiaux, lui aussi m'a fait découvrir la musique, tu vois. C'est ça. Et il joue aussi un peu la guitare aussi. Toi aussi, bon guitariste. Ok. Voilà. Alors comment ça s'est produit d'intégrer la musique à Maison Mère? Bon, comme tu es français, tu es né là-bas. C'est ça, ouais. Né et grandi en France, sur Paris, mais venir travailler dans un groupe, dans un orchestre, pire ma typique, c'était facile pour toi? Au début, c'était pas facile pour l'adaptation. Tu vois le climat, quand tu viens d'un pays froid, tu viens ici, il fait chaud, toi-même, tu sais. Hein. Oui. Mais après, petit à petit, on s'adapte, même les gens, les mentalités. Donc, ils en ont mon côté, tu vois, c'est pas facile. Mais après, petit à petit, on... L'oiseau fait son nid, hein, ah oui. Tu vois. Donc moi, gamme tout, musique, n'est pas qu'un mot, rien du tout. Ah ouais. Donc c'est t'es ça. Tu t'as pris pour faire des ouais, Vincent. Na... Formation. Formation. Qui t'a qui... Non, tout ce que nous avons Vincent, tout ce que nous avons nous. Par l'intermédiaire de président Golf Kizola, déjà matériel, oui bien. Oui, très bien. Je salue. Président Golf, déjà matériel. Moi, j'ai bossé notre. Camille Tembola descend à Simon Kimbaou. Camille Tembola. Voilà. Puis aussi, papa aussi il connaissait aussi, hein, parce qu'ils se connaissent aussi. Voilà. Grand maîtrisé, moi, de Ratomene. Tu connaissais déjà l'orchestre avant, tu connaissais le roi de la forêt avant, ou comment? Et tu as qui t'a poussé, bien sûr. Et comment ça a été que tu aies cette préférence? Parce qu'il y a beaucoup d'orchestres ici en RDC, mais la préférence de venir travailler auprès de Wellenson, les goûts là, tu écoutais déjà la musique de Wellenson? Bon, j'écoutais aussi, ouais, j'écoutais et j'avais quelques inspirations aussi. Mais je sais qu'aussi c'était un grand centre de formation, tu vois. Ah, tu ne savais pas? Ouais, je savais que c'était un grand centre de formation. Ok, comment tu le savais? Bon, les gens ils parlent, tu vois aussi, hein. Ouais, parce que leader et Bélé, Bauti n'est pas le big boss, le roi de la forêt. C'est ça, ouais. Alors, Bauti le fait de la formation, le roi de la forêt. Et le premier contact était comment? Bon, c'était le test, hein, directement. Hein. Directement le test? Ouais, ouais. Sérieux? Ouais. Test, pas vraiment contact, test directement. D'abord, le public, il t'accepte, si le public t'accepte. C'était en France, non? Le premier contact. Premier contact, c'était en France, mais c'était... Donc, c'était pas dans le move de la musique. Ok. Tu vois? Voilà, c'est ça. Donc, les gens t'ont parlé de lui. Et puis, lui, il a dit, bon, c'est mon fils, je le prends, qu'il vienne à Kinshasa. Et ça a commencé comme ça. Et ton côté la Zamba, c'était comment avec. Parce que là-bas, il y a. Il y a sénateur, député, Sonic, Manzaka et comme ça. Tout, ouais, ouais. Comment tu as trouvé l'ambiance? En tout cas, j'ai salué tout ça. Marmonion, sont vraiment beauté à Bango. Non, franchement, c'était chaleureux. C'était un peu différent, mais c'était chaleureux. Plus important, tu vois. Et puis, surtout, Botamine. La show, compétition, tu vois. Donc quand il y a des épreuves, nous on avance directement. Oui, Mbani. Nous appelons la Makila Nabiso Pena. Oui, Mbani, dans le Rambal. Tu avais chanté quoi? J'avais chanté la chanson de Niki Dé. Niki Dé? Ouais. Sérieux? Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux essayer? Bien sûr. Vas-y. Souci na la soukate Niki. Ah, souci na la soukate. À moi, Nama, à moi, mon cher, à moi. Un souci n'a maï, Franck Estemaï. Un souci n'a maï, Soukate. Bah, extrait quoi. Waouh, mais bravo là. Mais apparemment, tu fais beaucoup de voix là, à la fois. Ouais, c'est ça. Donc, moi, comme j'étais venu dans la formation, c'était plus pour la colissa rumba, tu vois. Mais, la Monique, à travers le travail de la rumba, quand tu chantes en français, comment on pète vraiment. Ah ouais. Tu comprends? Donc, le plus dur, c'est rumba. Donc, souci de la rumba, c'est la base. La base. Celui qui chante la rumba, il peut tout chanter derrière. Ah, d'accord. C'est ça, ouais. Donc moi, avec ça, je suis chanteur deuxième voix de base, mais des fois, je peux toucher première. Par et quelle était la réaction du public quand tu as chanté Niki Dé là? La Zamba s'est levée. Bon, c'était pas la Zamba, bien sûr, mais le public, on l'appelle. Après, il faut savoir que Ngano, chaque jour, tu sais que ça fait même pas 2 ans qu'on a banni musique. Hein. Oui. 2 ans, vraiment, on a banni musique. Premier son, ils ont couleur de Batomino. Oui. Ouais.
Donc ça veut dire que la voix que j'ai aujourd'hui, j'avais pas la même voix avant. Ah ouais. Tu sais ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc moi, chaque jour, par rapport aux autres chanteurs qui sont déjà depuis des années là-bas, moi, chaque jour, en fait, je découvre des nouvelles gammes, des nouvelles voix que ça sort d'ici avec le travail. Ah ouais. Donc c'est ça, je suis en pleine progression, tu vois. Donc là, la voix que tu entends aujourd'hui, demain, ça sera peut-être plus la même. Ah ouais. Donc Nazo évolue chaque jour. Tu te réveilles souvent avec qui? Parce que le roi n'a pas beaucoup de temps pour, pour venir te donner cette formation. Le temps, il est là, mais après, nous, on a du travail personnel, tu vois, c'est comme à l'école. Si le professeur, il te donne des exercices, tu fais les devoirs aussi à la maison. À la maison tu fais à l'école, mais tu fais aussi à la maison, c'est ça. Alors, tu as intégré Wenge Musique à Maisonneur, et tes collègues t'ont réussi comment? Très bien. Tous? Ouais, très bien. Quel est ton meilleur ami? Parce que tu as déjà des ans dans le groupe. Chief Papi Kagol. Je savais. Ouais, il y a qui fait la raille. Ouais, ouais. On peut dire, lui, c'est l'encadré, hein? Ouais. Lui, vraiment, vieux la main pure. Ouais. C'est bon de la machine. C'est bon de la machine. Le chef du gouvernement. Salut aussi sa femme, mère Linda. Ok. À tout moment, il t'a dit quoi? Chaque jour. Tu as beaucoup de temps dans la répétition, Papi Kagol t'a dit ça? Non, c'est l'esprit, donc c'est la compétition tous les jours. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher, c'est la compétition et puis c'est tout. Hein. Il t'a dit souvent ça? Ouais, c'est normal. Et ça te motive? Toujours. Mais il y a le quête, il y a le travail en paix. Maman, quand ma clip est belé, déjà. Bon, moi, la générique, là-bas, concert, paix, ils en ont belé. Ma fanatique, tout, bah, oh, bah, l'an d'abisso, mais bien. Nos zénith, pénèque, coïnda. Zénith Ouïna, on va en parler, tu as un peu couleur batonné tout à l'heure. Mais Ngando, tu sais, tu as étonné beaucoup de gens. Plus d'une personne. Mais toi, tu es en France. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont cette monopole, bien sûr, de la musique en France. C'est tout beaucoup plus des Africains. Kim, c'est un Congolais d'ailleurs, Dadju, de Naza, de Kebla. D'ailleurs, ils étaient ici à Kinshasa. Je t'ai vu. Ils sont encore là ici. Ils sont encore là. Je salue aussi Naza. Ouais, je le salue aussi, et Keblak aussi. Ouais. Mais pourquoi pas travailler auprès d'eux que de venir travailler dans la musique typique? Non, ça, il y a des projets, tu vois. Tout ça, un projet n'a pas rompé, mais tout doucement, tu vois. Pour moi, musique, on a continué la musique il y a 2 ans déjà. Ouais. Mais c'est pas pareil. Toi, tu vois que le travail entre nous, la Bango, ils en ont mon côté. Tu vois ce que je veux dire? Nous, musicalement parlant, il y a trop de panels. Tu vois, il y a la guitare, il y a la basse, il y a l'accompagnement, il y a la batterie, donc il y a tout. Donc il faut vraiment aux analyses, toi, Yamakas. Si tu arrives à chanter tout ça déjà, mais toi-même, tu sais. Tu vas exploser. Tu chantes les couleurs bateau-mini. Je veux que nous dansions, même si la terre s'arrête. De toutes les façons, même si nos cœurs s'arrêtent. Et je suis mauvais garçon, mais pour toi j'arrête. Je veux qu'elle soit mienne. Elle a des yeux de rêve. Je suis en train de m'y perdre. Je n'y reviendrai pas. Tu vois que c'est pas pareil. Donc il n'y a pas la mais même ça, c'est voix. Pas du Wenge, ça, quand même. Ça, c'est pas Wenge. Mais non. Voilà, donc ça c'est vraiment le cachet, mon apoto. Ouais. Mais si tu travailles bien la rumba, ça tu travailles encore plus facilement. Tu vois ce que mais comment le roi de la forêt, qui t'a poussé à faire cette chanson? Parce que tu devais faire comme la rumba. Il fallait faire la rumba, mais le problème c'est que Big Boss, Azaki n'a souci. Tu as ça, fanatique tout. Caché, n'a pas peine. Ok. Place. Il doit appeler mon apoto, la bise mon awé. C'est ça. Donc c'est ça. Donc fanatique tout. Ils connaissent déjà la voix de Ngano en rumba, mais il fallait qu'on sorte la première chanson vraiment. Donc, la couleur de la France aussi. Donc on a fait une chanson française. C'est-à-dire que Ngando a plusieurs cachets. Il a un cachet rumba chez Big Boss Soir de la Forêt, mais à côté de ça, Yemoko, il y a les chansons françaises aussi. Ah ouais. Parce que tu écris aussi des chansons? J'écris un peu, ouais. J'écris un peu, ouais. Mais quand il faut interpréter, tu interprètes beaucoup plus quelle voix? La deuxième? Moi, c'est plus deuxième voix. Plus deuxième voix. Ouais. Oui, bah vocal, il y en a. Bah, presque par mon tour. C'est un vocal mot interprétation. On peut dire qui? Il y a la répétition, tout ça. Même il y a Serge. Hein. Serge Mabiala. On trouve Serge. Tamata Bumai. Josaya Mapeno. Vosi Lumela. Claude Ukunayo. Patrick Wekule. PDG MVB. Papi Kagol Wera Sonne. Ezaï Mweno Batomene. Ah ouais? Zalamoui Bélé. Mais c'est bon! Ouais. Zalamoui Bélé. Beaucoup de. Monsieur les amis, vous quoi? Babindombe par exemple. Babindombe, il y en a beaucoup aussi, mais moi c'est plus. C'est plus Serge Mabia là. Ouais.
Serge, toi. Il y a encore une autre vocaliste. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'accord, on va en voir. Il y en a beaucoup, beaucoup. On va en parler tout à l'heure. Montika Francine ngembete po atelenga na nzame kolela na ngai mwana o. Moi mon polyvalence. Oh mais ça me fout quoi. Ah ngai ouge non mais ouge t'es bien ça va. Ouais si ça va. Ça va ça va. Ngando. Enfin. Oh, mais tu es la première voix, c'est pas la deuxième voix. Ouais, première, ouais, première. Mais tu es comme polyvalent côté voix. Ça va, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis une différence entre moi et certains deuxièmes, c'est qu'il y a la polyvalence même sur les gammes. Moi, je suis plus deuxième voix. Et tu vois. Maladie à Bolingo, Nanya Sani Saïrme, Passi à Bolingo, Nanya Piki Sawerae, Mokolo Sapacha Chomba, Wazala qui témoin. Naye kota la yozala kito bimaki amino zoko kene ke promenade na banzele misusu na motema e pasuka kina basusi na ba pesho. Donc voilà, t'as pris tes prisons d'abus. Ouais, le roi. Donc deuxième, Nassé, première, Nicolo, De Clercq, ils en ont ouais. Non, mais on sent que la formation accélère, hein. Obligé, c'est ça. Ouais, ça fait du bien. Mais merci. Aujourd'hui, quand même, Ngando, parlons un peu de cette histoire de 12. C'est comme la petite chose à 12, Nawenge. En tout cas, on est bien en terre. Comme oui, bah, on était plus en moins, on continue à Nawenge 10 ans déjà. C'est ça. On écoute à Nawenge, on va mettre le micro, on va s'en appuyer. Et puis, c'est bonjour, bonjour, Kara. 12 ans, on a besoin de dire, on a besoin d'un indice. Il y a 12. Bon, bah, un 10, non, ils allaient, mais. En tout cas, de mon côté, j'ai pas eu de problème là-dessus. Jusqu'à l'automne, on se dit que c'était beaucoup à Tsani Baba, non? Non, rien, rien. Même pas. Pourquoi tu veux passer au 12 au Sande? Pourquoi tu veux passer au 12 au Sande? Pourquoi tu veux passer au 12 au Sande? Pour l'instant, tu as tous mes collègues de travail, tout, c'est ça. Donc là-dessus, ça va. Même si tu as 12 au Sande, tu es là, tu es là. T'es rien. Au début, c'était pas facile. Hein. Au début, hein? Au début, c'était pas facile. C'était quoi, en fait? Dis-nous! Non, je te dis la vérité, au début, c'était pas facile parce que. Bon. Tu dois travailler ta voix, tu n'es pas encore prêt, tu ne peux pas monter sur le podium, tu ne peux pas affronter le public. Donc toi, tu as ça à l'esprit, mais la voix, elle ne répond pas. Okay. Donc il faut que tu travailles, tu travailles, tu travailles. Mais après, une fois que tu as ton talent qui est sorti, c'est bon. Tu sais qu'il se passe maintenant. Mais surtout, tu sais que tu as ça, il y a des rois de la forêt acoustique. Beaucoup de gens disent que les rois de la forêt, c'est tout ça, tout ça, la clé, tout ça, l'acoustique, ou c'est pas comment? Disons que. Ils aiment beaucoup dans la vie. Donc c'est ça, de après, bah. Tu savais que. Quand il vient à Paris, on est juste à côté. On s'est à Paris, tu vois. Je suis aussi chez papa. Que je salue aussi maman Marie-Claire beaucoup. Ouais. Donc nous, on est du côté de Paris déjà, donc c'est à côté, tu vois. Ouais. Quand ton chef, il est là, bon. Koutananaï, ça va bien. Tu rentres à Paris après combien de temps? On doit passer sa vacances. Yomo quoi, Moussa Lézard, il y a qui nos potos. Non, c'est pas ça. Non, moi j'avais déjà dit à tous les fanatiques que Bissoto Karami Nicolas a confinement. Ah ouais. Tu vois, c'est ça qui nous a bloqué. C'est-à-dire que quand on a sorti la chanson, directement, c'était soit je reste à Kinshasa, ça a vraiment la promotion, mais Bissot a préféré, hein, ma chaîne, et Trace TV, Webik et Panzani Kuna. Et Panzani, ouais. Voilà. Mais. Par rapport au rendement, ce n'est pas ce qu'on espérait. Ah, c'est-à-dire que moi, j'étais parti là-bas pour signer avec plusieurs chaînes, mais le confinement, ça nous a vraiment bloqué. Ah ouais. Tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, donc on a muto bazar confiné. Là, confiné, c'est ça, ouais. Alors, ici quand même, pourquoi tu n'attaques pas la promo? La promo, elle a déjà été faite. Si tu vois, dans certaines chaînes ici au Congo, ça s'est joué radio, ça s'est joué aussi beaucoup même. Surtout quand on est de sortir la chanson. Mais après, le fait que lui-même, l'artiste, il ne soit pas là, c'est un peu compliqué. Ah, tu connais, hein? C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que là, moi, je suis revenu au Congo pour rattraper un peu ce retard. Ben, c'est ça. Tu as déjà fait le clip? Oh, le clip, il s'est sorti depuis longtemps, bien sûr. Ouais. Et alors, par rapport au rendement, alors, tu es satisfait ou faut encore? Pas satisfait, non. C'est pour ça que là, on est venu faire la suite de Couleur Batoumine. Et après, bien sûr, je vais sortir aussi bientôt d'autres singles aussi, tu vois, par l'autorisation du Big Boss aussi. Et voilà, pour toujours satisfaire la demande des fanatiques. Tu vois, c'est comment ça. Tu vis avec le roi de la forêt? Comme ton papa, ton président, ton formateur? Comment tu vis avec lui? Plus comme président. Président, ouais. Plus formateur président. Aussi, ouais. C'est ça. Et il se comporte comment envers toi? Bien. En papa? Aussi, ouais. Surtout au début, ouais. Surtout au début, ouais.
Il te motive toujours. Ouais. Pour pas se fatiguer parce que il sait que la musique c'est pas facile. Quoi. Ah oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais après, comme je t'ai dit, hein, de là où on vient déjà, on a déjà l'esprit compétition. Mm-hmm. Donc ça, c'est pas que c'est petit, mais tout est déjà esprit au quotidien, mon gros. Mm. Ah, c'est ça. Si vous êtes dans la kine, vous vendez beaucoup de katani. Vous êtes dans le côté. Ah ouais ouais. Parce que vous avez regretté pour toi, hein. On a regretté quoi. Mais après, voilà, je sais qu'il n'y a pas le choix dans le sens où il y a beaucoup de fanatiques qui ne comprenaient pas pourquoi moi j'avais quitté l'Europe pour venir ici. Là, maintenant, ils commencent à ouvrir leur petit cerveau pour certains. Je ne dis pas tous les fanatiques. Il y a d'autres fanatiques. Ils n'ont pas un grand cerveau, donc ils ont un petit cerveau. Ils se disent, mais il est bête, pourquoi il est venu ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Maintenant, ils commencent à comprendre que... Il avait une vision, ce gars. Il avait vu déjà là-bas, tu vois. Puis même, tu sais qu'au Congo, ici, il y a beaucoup d'investisseurs, tu sais. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, les Européens, quand on vient... La vie est partout. À côté de la musique, tu sais qu'on peut aussi investir. Oui. Mais pour tous ceux qui... Bon... On va pas trop parler, mais tous les soi-disant fanatiques, bah, bah, fini, bah, bah, ni, bah, ça, c'est pas ça, mais. Donc, leur petit esprit, maintenant, ils commencent à comprendre que, oh, le petit, en fait, il a quitté là-bas pour faire d'autres choses aussi, à part la musique. Ah, c'est ça. Parce que le Congo, c'est le pays de demain aussi, hein, tu sais. Ouais, en Europe, tu as les taxes, tu as les impôts, tu as beaucoup de choses. Ici, il n'y a pas. Ici, tu investis un peu, tu prends l'argent vite, c'est ça. Voilà, à côté de la musique. Donc, ça, c'est vraiment la règle. On touche un peu à tout. On commence à toucher un peu à tout. Ouais, ça, c'est bien. Toujours par l'encadrement de grand maîtrisé Mwendo Batomene. Voilà. Ma bien. Eh, mon baba, mon copain. La banane. Ma collègue, on va. Eh, il est aussi un bateau qui est boyoso, il est quoi? T'es un baby qui a une maîtrise et puis que tout ça a un cadre et une famille. Voilà. Moi, je suis un bateau baye. Ici, il y a un concert, il y a un concert, il y a un moment, il y a un pays. Des fois, tu es un bateau. Moi, quitte, Simba. Oui, Simba. T'es un bateau. Moi, quitte. Ah, il y a une soirée, il y a un bateau. Ah, je te jure. Côté, il y a un groupe, moi, bateau, il y a. Ah, bah, groupe, bah, fanatique quoi. Fanatique, je suis un peu dans le cadre. Dans le cadre force. Tu es au cocaté. Et si, bah, il y a un peu déjà. Et zéro. Rien du tout. Je suis beaucoup raté. Bon, ils ont chance là-bas. Je leur souhaite bonne chance. Je suis baillé. Ouais, bonne chance. Il faut pas vraiment ébéli. Wengi. Wengi, on a révélé. Alors, c'est quoi ta vision? Après, en fait, tu es auprès du roi de la forêt, le roi Ranson. Tu penses travailler auprès de lui pendant combien de temps? Et après, tu comptes faire quoi? Ben ça, justement, c'est une question dure pour chaque artiste, tu vois. Donc, répondre à cette question, c'est pas évident. Dans le sens où moi, je sais que j'apprends tous les jours la rumba et tous les jours. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas le souci de quitter Kolomwa ou Wengete. Travailler et voir ce que les opportunités nous donnent. Parce qu'à côté de ça, Nena Ibisakiba fanatique, tout, Mandoz, on a caché déjà français. Donc, à côté de la rumba, il y a aussi les chansons françaises, bah, Single to Wana to Bimisangope. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, là, nous sommes à Paris, là, oui, ça, la promotion à Moko, tu vois. La chanson en français, puis non. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, nous allons présenter. C'est pas comme un chanteur normal en rumba. Il a que la rumba. Donc, pour faire d'autres rumba, il faut qu'il quitte l'orchestre. Moi, j'ai bien expliqué que nous avons un souci, nous avons un long et pas Big Boss de la forêt, tous en formation à bien. Ça veut dire que moi, à côté de ça, je travaille aussi des musiques françaises, bah, R&B, bah, Nini, World, au côté d'un là, tu vois. Oui. Mais sinon, là, moi, je suis et je resterai toujours à Wingé. Est-ce que cette qualité des formateurs, on peut la confirmer chez le roi de la forêt, sur toi? Mais, ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta carrière? Je pense que tu as la réponse déjà. Je pense, hein. Comme c'est là, je pense que tu as déjà la réponse. Oui. Parce qu'il t'a pris du néant, et aujourd'hui tu es chanteur. Et puis tu vois, quand tu prends un petit poisson, tu le jettes dans l'océan. C'est ça la formation aussi, tu sais. Soit il coule, soit il sort. Mais s'il sort, il sort fort. Il sort fort, oui. C'est ça, ouais. Donc, c'est je t'ai vu avec NASA dans une vidéo. Ouais, ouais. Bonsoir l'année. Je le salue d'ailleurs. Le frérot NASA, je le salue, il est à Kinshasa. Donc, non, normal, hein. À mon apotopée, donc c'est bien. Bon, ça c'est après c'est privé, hein, mais je vais dire comment je peux te dire. C'est
En tout cas, c'est une bonne personne que j'apprécie beaucoup. Mm-hmm. Musicalement parlant aussi, j'aime bien. Mm-hmm. Et je l'invite plus à venir aussi chez nous, ah ouais. de temps en temps, tu vois. Ouais. Pas prendre de formation, mais mm-hmm. même regarder, faire un peu comme nous, tu vois. Mm-hmm. Prendre un peu d'intelligence, après il fait de son côté aussi, tu vois. Ouais, ouais. Donc je l'invite, l'invité est pénètre à la vie sauter. Ça va bien. Tu vois, tu chantes avec lui un jour? Non. Nzambe kakato ébité. Ah ouais. Hein? C'est ça. Donc les gars, comment tu as fait? Parce que là, manager là-bas. Attends, il y a mon quoi, on dit, mais peut-être va manager, bah, mito. C'est ça. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ma projet, ça va être bien. En tout cas, ma collaboration, on peut le mettre aussi dedans pour les futures collaborations. Ouais. Oh, très bien. Alors, au-delà du roi de la forêt, quel est encore cet artiste chanteur rumba que tu préfères? Bon. Moi, je sais que papa, il écoutait beaucoup Zeko, là, voilà. Zeko. Voilà. C'est tout, hein. Mmh. C'est tout mmh. Je parle de papa, je parle de toi, là, même. Ouais, mais moi, après, j'ai grandi aussi avec la musique que papa, il écoutait aussi. Tu vois. Tu écoutais que Zeko. Quand j'étais petit, après, moi, je suis arrivé, quand j'ai découvert la musique de Big Boss, après, voilà. Mmh. C'est ça. Ah, ça s'appelle la formation, hein. Ok, tu vois, quand tu vois, quand tu vois, na Zeko. Bouyou mon tu sais ça au zoutambo zo katena ba boa mon ba ba te ba boa ti mon ba mané ba lunch bar au tambo la quand même bien sûr je suis dans les cas bon toi même tu sais déjà bon je vais pas parler mais non mais quand même soit libre ouais, on t'interdit pas à me dire que si tu apprends quelque chose c'est pas interdit de le dire non c'est pas interdit mais voilà on entend la musique de tout le monde parce qu'ici on est au Congo aussi tu vois ouais voilà. Merci à Aspère au sol qui nous regarde depuis la Belgique. Monsieur le Président, merci pour tout. Merci également à maman Gisèle Matota. Merci. Et bon anniversaire à notre maman Béni Pendamoulouba Barcelone. Bonne fête, c'est encore une fois de plus. Et bien, José Moulouba, le beau gars de Birmingham. Grand merci pour tout. Luc Moutamoula, l'homme à l'histoire. Noël Okito, Mr. Opta, on a nouveau Give Up Black des dons. Le jeune millionnaire, toujours fort, un soldat. Merci aussi à Chico Sombele depuis France. Yé Moteki Wilamba Atalo Pea Solo Chico Sombele, grand merci. Et je suis reconnaissant. Merci également à Diezola à London City. Maman Dalida Zola, je pense également à vous. Et pourquoi pas Necha Pindi déjà à Kinshasa, tout le monde Namabele. Plein de grâces, merci pour tout. Et merci à Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables, le cœur de notre maman Janice Mbakondi et aussi la selle et le nucre, première dame de Lausanne. Ça s'appelle Merci Ko, l'arma de Ridge, Andy, Louawa, un enfant pas comme les autres. Il y avait la Bissoko Belisha. Bandekoutou, on est à travers le monde, Boa et Bélé. Merci à Moutouazou, sa fierté Nabisso à l'étranger, l'international footballeur Chancel Mbemba. Capo, on est ensemble, merci pour tout. Et voilà. En tout cas, ma banque est allée. Vous sentez ma banque? Ah, ah, ah. Il est bon, bon, c'est compliqué des fois, téléphone. Ah, faut téléphone. Ah. Limite, ça aussi. Limite, ça aussi. Faut ça aussi, ma banque. Bon, on va te montrer. Maman Valérie Lagache. Maman Wapena. Famille Batomene. Ouais. Fernando Tutila. Vous voyez bien? Fernando Tutila. Tutila. Ouais, ouais. Ah, c'est un boss. Ah ouais, c'est un boss. Ouais, hein. Ouais, ouais. Tu me dis que oui. Nzembo Yembelana. Couleur Batman. Kabiso. Oh. Tu vois, quand tu commences la musique, il n'y a personne qui croit en toi, tu vois. Ah oui. Ah, tu sais, mais t'as cherché quand même, hein, des gens. T'as contacté quelqu'un qui l'a refusé. Toi, moi, fier. Tu vois. Ah, hein. Ben oui. Mais t'es qu'à fier. Mais c'est pas ça, mais. Musique qui m'a là. Non, parce que. Ok, ma lame, mais ça, non, non. On va nous voir, Biso a fonctionné dans la matelot. Sur le bouton, moi, fier, parce que je suis. C'est pas ça, mais au moins, bah, on a vu que yo outil poto. Bah, comme il y a qui fier à ma casse, au moins, on a un sou sou. Ah, putain. Yo, et bit. Tu vois quand Zalaté, oui. Oui, mais. C'est toujours quand Zalaté. Mais c'est comme ça, d'ailleurs. Bah, yo, donc, on dit qu'on va faire une chanson, ils sont là, t'es petit fan, non. Bah, on a fini, là. Hein? T'as vu, si c'est mon anga, comme mon con, on a aimé, on a mon con. Au moins, il t'a pas douté. Rien. Ah, non, non, ouais. Faut nous contacter, on a pas battu. Alors. Hein? Mais la regretter. Grand journaliste, c'est mal. On va faire la regretter. Mais vous regrettez, hein? La regretter, bon. Dieu, mieux que ça, ma banque. Alors, il y a un pourcentage. Mais oui! Ah, là, y'a un dossier de ma belle. Stick. Dieu, mon succès, bon, on va traiter pas trop. Bible, c'est un bêta. Allez. Mais on va bien faire une prochaine chanson. Voilà, là, on va faire. Oui, ma belle Rumba. En mon côté Rumba, je laisse ça à la charge à Big Boss, on doit faire.
parce que moi je suis encore en formation. Mm-hmm. Moi je fais ce que vraiment je. Côté français, RNB, ouais. Hein, moi Zouk, RNB Zouk. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Ah, ok, très bien, nous sommes en train de chuter déjà. Ouais, ouais. Alors on attend le 17 septembre 2021, tous nous serons aux Zénith de Paris. C'est ça. Gandou sera là. En tout cas, on espère. Hein. Mm-hmm. Un grand show. Tu prépares quoi déjà pour tes fanatiques? Bon, fanatiques en tout cas, de belles prestations, hein, que ce soit sur les chants, sur la danse. Et puis voilà, on sera bien réveillés, on va faire la fête aussi. Hein. Mais Mambo Bossa, la loi, la forêt, tous les artistes de la musique à maison, mère, il faut du sport. Yo, mon monde de Bossa, nous bagère. Yo, ça, la boule gavanat. Bossa m'a bêté. Tu vois, parce que... Vous ne savez pas, c'est un beau savon. Non, c'est pas ça. C'est que c'est bien aussi parce que il y en a qui sont en retard. Au moins, là, on a tiré le colon de la musique. À comment qu'il est en retard, vous voyez, oui, par rapport à Bangou Nios. Ouais, ouais. Même à ta deuxième équipe, Banini. Hein. Ouais. Ça, il faut le dire. Ouais. Voilà. Parce qu'au Bangou, ils sont aussi en retard côté sport. Ça, tu sais ça. Oui. Hein, physique, sport, hein. Belle forme, bien. Hein. Quand on a la t-shirt, tu vois. Tu connais la t-shirt. Bon, ben, déjà, tu vois. Mais chacun en fait ses points forts. Donc maintenant, il faut rééquilibrer pour qu'on arrive tous au même niveau. C'est ça. Non, c'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Ouais, même pour le souffle, pour la voix, les cordes vocales, tout. Non, moi je trouve que c'est une très bonne initiative de ça. Des fois, tu donnes aussi quelques exercices. Non, à tes collègues. Moi j'arrive en tant que travailleur, donc je suis comme tout. Tu ne proposes pas de mettre un ninja. S'il vous plaît, on peut faire aussi ça, c'est pas mauvais quand même. Au tribun en charge. Au tribun en charge. En charge. Et au tel agar. Voilà, ça va, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà, merci. Nous sommes en train de chiter. Alors, peut-être un dernier message. Tu peux utiliser un morceau encore nous proposer? Un morceau qui va devenir en tête maintenant là? Il y en a beaucoup. Hein. Mm-hmm. Cherche-nous un petit peu. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Que ce soit en français, en anglais. Oui, oui. Je sais pas. N'importe lequel. Hein. Tu as pris ma tête sans dessus dessous. Tu étais belle et douce, mais tu n'avais pas le temps. Pour un gars comme moi, non, non, non. Je pouvais pas te laisser me mettre sur le côté. Car bébé, tu me plais, je ne peux te rater. Les anons, bébé. Non, ouais. Très bien. Mais plus toi, c'est le français, hein. Les deux. Et c'est les deux, vraiment. Ben, s'il faut, aujourd'hui, le roi de la forêt, c'est point. Tu sais, Dingando, bon, écoute, je te donne la chance de faire un album. Tu feras un album. Un album, c'est ça. Avec plusieurs chansons. Avec plusieurs chansons. C'est pas possible. Non, c'est un papa. Il peut... Voilà, je sais, mais papa, nous aimons mon coïncil. Le Sogaï a proposé un album. Non, c'est pas possible. Okay. Ozamaïen a compris. Sur 10 chansons, si moi je vis au Congo, je peux faire 5 chansons rumba, 5 chansons françaises. Parce que quand je suis au Congo, il faut satisfaire les Congolais. Quand je suis là-bas aussi, il faut satisfaire les Français. Donc on joue double cachet. Donc tu as besoin de ces deux publics-là? Bien sûr, évidemment. Tu vois? Mais qui prime chez toi? Quel est le public qui prime le plus? Le plus. Bon, comme moi, j'ai une attache au Congo, j'aime beaucoup le Congo aussi. Ok. Mais en termes le public qui est moi, disons ouais, comme ça. Mais en termes de visibilité, on que qu'on a en Europe. Ouais, c'est bon. Hein, c'est pas pareil. Ouais. Si là-bas ça marche, c'est dans le monde entier aussi. Le monde entier, ouais. C'est ça, ouais. Très bien. Donc, quand tu as deux qualités, il faut les exploiter toutes les deux. Mm-hmm. C'est ça, ouais. Très bien. Alors, c'est la fin. Après, comment tu trouves, avec l'histoire, en fait, actuellement, nous vivons la réalité avec des vues sur internet et consorts, Instagram. Mais pour moi, tu ne mets pas beaucoup d'accent sur ça. Non, pas trop. Petit à petit, on va faire, mais il faut aussi les encadrements, tu vois. Il faut savoir que Ngando Azaïe Moko, tu vois, lui-même, il fait. Et le monde de la musique, il est bien ou bien, je te dis la vérité, tu vois. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, tu me mets sur le podium, je travaille. Tu me mets sur le ring, je travaille aussi. Mais derrière, il faut des gens aussi. Il faut des gens. C'est ça. Mais pourquoi tu ne crées pas des gens? Pourquoi tu ne cherches pas? Petit à petit, hein. Ouais. Petit à petit, ça va venir aussi. Mm-hmm. Tu vois? Ouais. Donc c'est ça. Moi, je sais qu'en termes de produit a bien. Ouais. Non, t'as un bon produit, ça, ouais. Il faut reconnaître. Produit a bien. Déjà, nous, on y aime bien, je sens que il y a de l'avenir. Derrière, bon, nous-mêmes aussi, il faut se faire. Mm-hmm. Mais petit à petit, moi-même, je vais voir comment nos vieux, ils font aussi, quoi, pour que... C'est ça. Très bien. Alors, c'est la fin. Tu peux sortir de ton téléphone. Ok. Pour que tu bois à tout. Je vais essayer de faire comme toi. Je vais bloquer le téléphone. Je vais essayer de faire moi. Donc, grand maître Ezeï Mwendo Batomene, maman Valérie Lagache, Ngouma, famille Batomene, famille Lagache, Big Boss Sœur de la Forêt,
grand manager Fabrice Kindombe, papa né Benjamin Kindombe, Glody Touré, hein, Gilva Messo, Walom Bessi, ok, Fioti Manzaka, lui il est aussi dans les débuts aussi, Fernando Tutila, Camille Tembola, descendant Simon Kimbangwe, ouais, Camille Tembola, ouais. Maître Djamos, le reste là, ça est bien, ça y est. Dans les délais. Mais Ndeni, est-ce que. Président Toubingoy. Ah, président Toubingoy. Alors, tu es là, tu es là, tu es là. Et c'est maintenant qu'on a fait Gangoy. Fais-moi un mot, celui-là. Voilà, parce qu'après, ils disent que non, le petit ne m'a pas dédicacé. Après, là, ça, voilà. Grand journaliste, je crois que c'était mal. Ouais, merci. En tout cas. Merci, Gando, pour le passage. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci. Nos portes restent ouvertes. En tout cas, à tout moment, tu peux revenir. Bien sûr. Passer les messages de tes fanatiques. Toi aussi, même à la maison, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. T'es mon frère. En tout cas, t'es mon garçon, là. Merci beaucoup. Ouais, t'es mon garçon. Et puis, plein succès pour Couleur Batemene. Pour la suite aussi des projets. Ouais, ouais. Merci beaucoup. On est derrière toi, on te surveille. Et surtout, bon courage pour le travail. Ça va aller, ça marche déjà. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Alors, merci également à vous, très chers fidèles internautes, pour la confiance et surtout pour le temps accordé à cette émission. Culture Info qui a réussi pour vous. Ngando Batemene, votre artiste, est vraiment, il est talentueux et courageux. Il travaille déjà bien aux côtés du roi de la forêt, le grand formateur. Regardez, il a pris un produit, un artiste dans le néant. Aujourd'hui, Ngando chante. Merci le roi de la forêt, c'est comme ça qu'on veut pour nos leaders. Soki bamoni ngano elombe gunangai. Soki bamoni Frankestema gunangai. Soki bamoni Fabrice Kindombe gunangai. Lobana ye nazali se kolela o na koyoka mawa o. Ah ouais, non. Bravo, c'est par ces morceaux ou ces vocales que nous mettons un terme bien sûr à cette émission. Grand merci à l'artiste Chaton Kolo qui était à la réalisation et à la prise de vue de cette émission. Moi je vous retrouve prochainement avec un plaisir. Au revoir, à très bientôt. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, et si ka ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azu et si ka ya ye moko ya kofandi sa idéologie, et si ka oyo ba kongole tout, ba kobanda ko ya kokutana na ndenge ya defwate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa, boko kuta, biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Loko la ntaba ya kitoko pelengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djonga de, bafongola ka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko, chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance elala ka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi, bobanda ko zwa Suzuki Luzub, 4x4, yende muta kosepelisa bino nandenge ya sakanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya ko sakanate et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo ko zwa les grands chanteurs Emel alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betwe bao différence yena Mone Namira Yanani Che Djonga de Malolo. Oui frère Babi Djonga La Congolia Futur Hein Mouta Rosso la 50 boîte La tata King Che Djonga Ske Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site ya se moko Afrique Info avec Frank Semai qui en dancala twende social media information.